Bonjour, ça va bien? Ouais, c'est la classe. Moi ça va. Et toi, ça gaz? Ouais. Allez, bonsoir à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle à quotidienne du mercredi. Le jour des enfants, le jour des spaghettis, le jour que voudra. On se retrouve comme toujours pour 30 minutes de news high tech. Je suis GLG, votre dealer d'accro. Un plaisir de vous retrouver, bien évidemment, même ce mercredi. Alors aujourd'hui, on est en différé, bien évidemment, et demain, on sera en différé parce que c'est la fête de l'eau, machin. Il faut aller mettre des petits paniers sur l'eau pour donner une offrande au dieu de l'eau en Thaïlande et tout. Je vous ferai certainement une vidéo pour WTS, on va pas manquer ça, et des photos sur Instagram. Mais donc, du coup, demain, pas de live. Hein. Demain, on s'occupe d'avoir les bonnes faveurs du Seigneur. Hein. Déjà qu'avec ma petite blague de... Dieu ébéniste. Dieu, voilà, bah, poutre en platane, Dieu ébéniste. Ça a été bonne. Bon, après, voilà, il a un peu d'humour quand même. Bon, malgré l'histoire de la croix. Bon, on va pas parler là-dessus. Allez, comme toujours, 30 minutes, on parle un petit peu de news high-tech, films et séries télé, vidéos YouTube, de polémiques, de machins, de trucs. Et aujourd'hui, il y a quand même un petit peu. Il y avait pas. En fait, aujourd'hui, il y avait rien. Pour rien vous. Aujourd'hui, il y avait rien. J'ai regardé les news, franchement, il y a rien, que de la merde. Mais je me suis dit quand même, je voulais vous parler de ça, de ça, de ça, et c'est un peu ça la quotidienne. Pourquoi t'es accro à la quotidienne? Parce qu'on parle de tout et de rien, et que ça dépend un petit peu des sujets. Hein, on n'est pas là pour te rabâcher du high-tech tout le temps, toute ta vie. Bon, allez, on attaque aujourd'hui, on remercie bien évidemment nos tipeurs. Je vous rappelle, l'émission est financée par personne, seulement par vous, bien évidemment. On met pas de pub, comme ça t'as pas besoin de la skipper. Mais si tu es un peu accro à la quotidienne et trouves que ce rendez-vous est sympathique, que tu passes du bon moment, soit à m'écouter en podcast, parce qu'il y a aussi en podcast, soit à regarder ma gueule sur YouTube, tant que ça existe encore un petit peu en 2018, on parlera juste après, tu peux aller me payer un café en haut, 300 cafés ce mois-ci. C'est pour ça qu'il a autant d'énergie, le mec. Et enfin, sur YouTube, je vous rappelle, le principe, c'est, si vous voulez dire merci, que vous savez pas comment, tu peux aller mettre un pouce en l'air et tu peux aller une petite vidéo sur YouTube. Sur YouTube, ça te prend 30 secondes. Voilà, et moi ça me rapporte 0,05 centimes. Ça vous dit, ouais, mais c'est presque rien. Bah oui, tu peux en regarder 3 par jour. Ça fait 15 centimes. Hein, 3 par jour, 15 centimes. Et là, t'es en train de te dire, ah ouais, donc du coup, 30 jours par mois. Ah ouais, tu fais le calcul, ça fait presque 4,50 euros. C'est pas mal. À toi tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Par mois, 4,50 euros. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est déjà presque à 212. On fait une moyenne de 10 euros par jour. Merci, parce que du coup, ça pourrait devenir une activité à plein temps, c'est-à-dire que c'est mon salaire, donc forcément j'y prendrai beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'engouement et Non, c'est déjà? Ah bah d'accord, alors. Bon, allez, on parle un petit peu des news du jour. Aujourd'hui, je vous ai tout mis dans les titres, comme toujours dans la description. Aujourd'hui, on parle du Huawei Mate 20X. Ah ouais, c'est quoi ça? Ça serait pas le nouveau Huawei Mate 20X qui vient d'arriver en Asie, là? Qui est pas encore disponible chez vous? Un téléphone qui est livré avec son stylet, comme ça? Un téléphone? Bon, il fait que... Pour déverrouiller. Vas-y, déverrouille. Ah putain, il a mis mes lunettes. Il me reconnaît pas. Toka. Il me reconnaît pas. Voilà, bon, ça commence bien, la review. Mais il reconnaît même pas mon doigt. Bon, un petit 242 000 en toutou. L'écran 7,2 pouces. Putain, pour te donner l'idée un peu ce que ça fait, regarde. Alors, tac. Là, il va me reconnaître, lui. Il est aussi con. Hein. Attends. Ah, ça y est. Voilà. Regarde. Le Mi Max 3 est le truc quasiment la même taille. À quelque chose près. Je me demande s'il est pas plus petit. Attends. Parce que j'essaie, parce que j'ai que deux mains. Ah non, il est plus petit. Il est plus petit que mon Mi Max et il fait 7,2 pouces alors que mon Mi Max fait 6,9. Voilà. Écran AMOLED et tout. Enfin bon, voilà. Donc du coup, c'est un peu. Comment? Où? Quoi? Hein? Que? C'est quoi ça? Alors, oh, c'est en partenariat avec DTAC. DTAC. Voilà. Donc va falloir que je vous tourne le truc en disant. Alors, on l'a payé quand même. Hein. Enfin, moins cher, mais on l'a payé. En disant, voilà, j'ai pris un abonnement pour 40 ans, bien évidemment, j'ai 40 ans. Ils m'ont dit 40 ans hein, pour un téléphone, on passait, ça fait 80 ans, c'est bon. Mais bon, voilà, après, il faut que je vous dise que si vous venez en Thaïlande, si vous voulez prendre une carte SIM pour un mois, il faudra bien évidemment prendre une DTAC. Donc on verra comment on va glisser ça discrètement dans la review. Mais le téléphone est quand même dingo. Semaine prochaine, la semaine dernière, il était, ça, le deal a été fait, et il est fait commander, on a été le chercher ce matin. Alors, pour vous donner une idée, le Huawei Mate 20X, c'est quoi? C'est une bombasse, hein. Caméra Leica, machin, 4 caméras à l'arrière, caméra Leica et tout, mais il a vraiment pas mal de trucs. Écran 7,2 pouces OLED. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que quand tu l'allumes, ça pique un peu les yeux, ça fait « Ah, Tom, t'es beau !» Voilà. Bon. Design, immersion, machin et tout. Visionary, nana. En radio, bon, il est beau, hein, y a pas à chier. 7 nanomètres, donc c'est le nouveau Kirin 980. Alors que ça fait, il fait que 242 000 en toutou, hein. C'est pas non plus... Tu vois ce que je veux dire? Attends, parce qu'en fait, du coup, ça a vraiment marché ce coup-là avec...
Vas-y, c'est bon, tu vas pas me faire en toutou tous les. À tout. C'est comme ça. Putain, mais qui est merde, ah. C'est en toutou là. Voilà. 242 664. Oh, c'est super fluide et tout. Enfin bon, on n'est pas sur le même. On est même pas sur la même stratosphère. Bah arrête de me faire en toutou là. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con, lui? J'ai dit ça? Non, qu'est-ce qu'il est génial ce téléphone. Non, mais après, le téléphone, on pourra très bien dire qu'il n'est pas terrible. Après, que DETAC soit le meilleur réseau pour la Thaïlande, avec de la 4G incroyable et l'opérateur parfait quand tu vas venir en vacances, ça, c'est une chose. Qu'après, le Huawei 20X et ses petits couacs aussi, on peut, c'est ce que je veux dire. On peut rester impartial. Martial. La cour martiale. Non, laisse tomber. Le 20X, donc les jeux, Trubien, gros refroidissement de dingue. Ah, stéréo. On verra. On verra. C'était cool, mais toujours. Ça, c'est bien. Donc, refroidissement avec dissipateur à l'arrière pour pouvoir faire de la jeu. Batterie 5000 mAh. Ça, c'est la classe. Ultimate Accessibility, il est d'enfer, il est tellement beau ce match. Bon, 4 caméras à l'arrière qui permet, comme le mec quand il cherchait, tu vois, si on met devant, tu peux faire des photos en macro parce qu'il y a une lentille, tu mets de loin machin. Alors, il y a un mode nuit que vous verrez parce que j'enchaînerai après dans les prochaines reviews. Un mode nuit qui existe aussi sur les intelligences artificielles du Huawei. Alors, non, j'ai toujours pas de deal avec Huawei, mais on gratte de tous les côtés. Celui-là, on l'a acheté, qu'on va vous faire gagner, vous verrez la vidéo demain. Et celui-là, on l'a acheté bien moins cher que ce qu'il vaut, mais il y a un mode pour faire des photos de nuit qui est. Ah, c'est pas mal. C'est beaucoup moins dégueulasse que faire des photos de nuit. Et je peux vous dire, il y en a qui connaissent devant chez moi, il fait bien. C'est bien minable, quoi. Et franchement, les photos, vous verrez demain. Ah, ça pique un peu, hein, quand même. Bon. Donc, 4 appareils photo, Leica. C'est 4 ou 3 alors, du coup? Non, c'est 3. Ah, c'est 3 appareils photo, il n'y en a pas 4. 3 appareils photo et un flash. Ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est pas celui-là. Alors, de quoi? Bon, l'écran machin, un cinéma mode d'enfer. En plus, avec la stéréo, on verra bien. Créer couleur, directeur cut, le stylet. Il est où le stylet? Putain, les vaches. Putain, pour le même prix, t'as un stylet. Je veux dire, il reste plus rien à Apple. Je pense que ça sera un peu la punition pour Apple. C'est que là, il y a quand même le stylet livré dans. Bon, il vaut 750 € je crois, quand même, en Thaïlande. Même pas donné, tu vois. Mais t'as quand même le stylet, 7,2 pouces, un écran OLED, le processeur puissant. Il fait 6 plus 128 plus micro SD quand même, tu vois. Je veux dire, voilà quoi. Bon, all vision, all shooting. Alors, oui, mais attends, je peux pas vous faire la review tout de suite. Hein. Laissez-moi le temps. Je finis déjà l'autre là. Et celui-là, on le fera pour la semaine prochaine, tu vois. On n'est pas. Spécification. Spécification. Riri et lotion. 7,2 pouces L1, donc la DCI P3, un OLED, 2244 par 1080, bah c'est du Full HD, hein, 1920 par 1080, un peu tiré, Kirin 960, donc deux Cortex, un Cortex, spécial dédicace à Cortex, Android 9, ah, 6 plus 128, plus la micro SD, pouah, la vache, réseau, alors attends, pour voir un peu chez vous, pour vous énerver un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 19, 20 et 26. Oui, parce que. Alors en fait, en Thaïlande, il y a la B20. Donc du coup, tous les téléphones sont vendus en Thaïlande. Livrés en RON. En RON. Attends, est-ce qu'il va reconnaître? Il va reconnaître mes empreintes. Livrés en français, bien évidemment. ROM international. ROM global en Thaïlande. C'est-à-dire que le téléphone, il a le B20 et la ROM globale, quoi. Je veux dire. Je sais, ça t'énerve. Mais bon, après. Il va falloir vivre avec, hein. C'est... Bon, est-ce que je vais changer mon Mi Max 3 contre celui-là? Quand même un petit peu. En fait, il y a double chance. Pourquoi? Un, parce que quand même, il est quand même vachement mieux que mon Mi Max 3 sur quand même pas mal de points. Il est plus gros, il a la même batterie, il a un écran de dingue et des caméras de fou. D'accord? Et deuxièmement, il est bloqué des tacs. Ben oui, comme Orange essaie de faire sa affaire. Il est un peu bloqué des tacs, c'est un peu le deal. C'est-à-dire, bah, des tacs, c'est les meilleurs, trop bien pour venir en Thaïlande. T'as vu, je fais les guillemets, hein. Je fais super bien les guillemets. Mais il est bloqué des tacs et je peux pas apparemment mettre d'autres SIM. Alors en seconde c'est possible, mais en principal je crois pas. Donc à voir. Mais donc du coup je pourrais pas vous le revendre ni vous le donner. Sinon tu penses bien que ça aurait été plaisir. Mais si je suis obligé de le garder. C'est, tu vois ce que je veux. Bon tant pis. Bon, Wi-Fi ABNAC, Bluetooth alors ça doit être du Bluetooth 5. Type C, jack. Non. Ah si, ah ouais, jack, hein. Putain. Ben voilà, jack, type C, Gravity, caméra, donc le triple Leica, j'ai mis deux ou trois caméras, alors du coup, j'ai mis quoi? Huawei, non, j'ai pas trop.
Alors attends, ça c'est pas la bonne fenêtre, je reviens là. La batterie 5000 mAh avec de la charge, mais pff, plus rapide que rapide, tu meurs. Non, tu meurs pas plus rapidement, mais le NFC, oui, et dans la boîte, il y avait une petite silicone, ce qui fait toujours plaisir dans les boîtes. Alors il y en avait un sur mon truc à 160 balles, donc tu te dis à 160 balles, il y a une silicone, il y a quand même une silicone, bien sûr, il y a une silicone. Bon, après la pochette, la chopette, ils en avaient pas. Le truc, il est un peu, quand même un peu trop récent et ils ont un peu rien, mais voilà quoi, voilà ce qui t'attend. Ah ouais, quand tu le... Putain, il y a plein de trucs. Parce que dès que tu le... Il te voit, il te regarde, après il te regarde dans tes lunettes, il se dit, je te connais toi. Bon, c'est déjà vu. Bon. Voilà pour ma première news. Donc, du coup, demain... Alors, pas demain. Demain, c'est vendredi. Non, demain, c'est jeudi, d'abord. Vendredi, vous aurez le Huawei... Le Huawei Y9 2019 dont on a parlé hier. Vendredi. Et du coup, lundi ou mardi, vous aurez celui-là. Je veux dire... C'est pas comme si c'était une espèce de bombasse, 7,2 pouces avec un stylet. Il y a un petit bouton sur le stylet, tu peux changer les pointes et tout là. Putain, ça va me demander du boulot en review quand même, malgré tout. Parce que il est, il a l'air assez complet. Je vais pas non plus vous bâcler la review. Après, me dire, ouais, t'as encore bâclé la review. Enfin bon, on le connaît. Il y a un peu des mecs qui sont un peu frustrés de la vie. Non. Bon, allez, on parle de l'article 13 de YouTube parce que, alors, hier, le sujet est venu dans La Quotidienne où Teddy, l'ami des grands et des petits, bien évidemment. Elle m'a demandé en fait mon avis sur l'article 13 et du coup ce matin qu'est-ce que je reçois, un mail de YouTube qui me dit attention, l'article 13 va être voté, n'hésitez pas à aller voir là et à voir ce qu'il paraît de la version actuelle. Donc là on a un article qui est complètement en français, l'adresse c'est youtube.com/saveyourinternet. Voilà, donc il parle de l'article 13, il parle de tous ceux qui parlent de l'article 13, donc joueur du grenier, une vidéo qu'on avait vue. Donc on en revient au problème d'hier où, alors on m'a encore envoyé aussi d'autres youtubeurs qui en parlent, machin, parce qu'il faut se mobiliser, il faut faire la pétition, nanana. En Italie, ils sont déjà mobilisés et en fait, bon bah ils ont réussi à faire modifier la loi. En France, on s'en bien compte que même si je me mettais avec un gilet jaune ou un gilet rose, tiens, pour faire un peu rouge, pour faire protestation... quand les lois doivent passer, les lois passent. Mais bon, celle-là, elle est un peu stricte et ça risque d'être un petit peu... de ce qu'on peut voir, la fin de l'internet tel que vous le connaissez aujourd'hui, avec trop de censure. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un truc dans la vidéo où vous n'avez pas les droits ou l'autorisation, vous ne pourriez pas diffuser la vidéo. Donc le t-shirt c'est un Giwik, faudrait que j'ai l'autorisation de Giwik. Donc là c'est pas mal. Les lunettes ça va, mais derrière il y a énormément de conneries, il faudrait qu'on ait KitKat, machin et tout comme ça. Donc du coup comme YouTube ne peut pas en fait contrôler tout, parce qu'ils expliquent qu'il y a 400 heures, je crois, d'upload toutes les minutes sur YouTube, donc c'est quand même un petit peu dingo. Je me demande, we can have light? Go kick! We can have light? Merci. Ah bah voilà! Namasté! Donc, comme YouTube ne pourrait pas tout contrôler, que les robots sont pas assez efficients là-dessus, et bah du coup, grosse censure massive à la base pour pas que ça soit eux qui aient des problèmes. Mais bon, comme on en parlait hier, aujourd'hui, le problème du YouTube et de la censure. Et n'est pas en fait, enfin, oui, c'est mon problème, oui, c'est votre problème, mais c'est aussi le problème de majors qui sont beaucoup plus puissants que nous. C'est le problème de YouTube, c'est le problème de Twitter, c'est le problème d'Instagram, c'est le problème de Facebook, c'est le problème de tous ces majors, parce que si en fait, c'est à eux en fait de contrôler un petit peu tout l'internet, et ben du coup, YouTube, ben, en Europe, c'est fini, on n'en parle plus, va falloir passer à autre chose. Il y a Google derrière, tu vois ce que je veux dire ? Il y a Google qui gère un peu le dossier de YouTube, et si on dit, bah en Europe, c'est fini, il va nous rester le monde, le reste du monde, donc nous, on est en Thaïlande, ça va être encore un peu la fête, on aura encore le droit, mais uniquement pour les Thaïlandais, bien évidemment, ce qui nous intéresse pas. Mais donc du coup il y a aussi un manque à gagner qui est énormissime auprès de YouTube, Google, Facebook, Twitter, Instagram, machin, parce que c'est leur gagne-pain aussi, c'est mon gagne-pain sans trop, un peu quand même, tu vois, mais c'est leur gagne-pain aussi et c'est votre loisir aussi, et c'est pas parce que il va y avoir ça que vous allez regarder la télé, surtout quand on voit ce qu'il y a un peu sur la télé. Voilà, en parlant de la télé, tiens, j'ai fait un article aujourd'hui sur JTG qui s'appelle sur l'IPTV. Alors, on était contacté par une société d'IPTV, machin et tout, hein, enfin une vidéo et tout, voilà, un petit billet, oh, on paye, je regarde un peu. Après, je me rends compte que c'est quand même ultra illégal leur truc. Alors, ça marchait bien, on est d'accord, sur la télé, la tablette, machin, mais c'était complètement illégal. Donc, du coup, j'en ai parlé un petit peu hier, donc du coup, certains ont déjà réagi et m'ont envoyé des solutions alternatives gratuites. Enfin, bon, c'est toujours piraté, mais au moins, tu payes pas. Donc, d'accord. Donc, du coup, j'ai trouvé quand même le sujet très intéressant au niveau de l'IPTV. Je pense que ça mériterait peut-être éventuellement un live sur l'IPTV par rapport à cet article-là. Je vous invite à aller voir sur l'article du JT Geek un petit peu cet article, à me le corriger, à me le compliquer, à me le compléter si, comme moi, je découvre le truc, je sais pas, et le truc.
Je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être que vous, vous savez plus de choses. Ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires en me suggérant des modifications, des ajouts, des choses comme ça. Et on essaiera après de développer un peu là-dessus. Mais bon, vu que c'est la plus rare à YouTube, on risque de peut-être passer sur IPTV. En ligne directe. En pire, t'imagines après regarder des vidéos de GLG, ça sera illégal. Parce qu'en fait, on aura des trucs et on l'uploadera. On mettra ça sur des serveurs en Thaïlande. Donc tu pourras regarder directement les vidéos sur JT Geek sur des serveurs qui sont en Thaïlande. C'est très underground comme concept. Mais voilà, bon, voilà, et c'est pour ça de l'IPTV, donc c'est à m'envoyer. J'ai fait un article qui était 1000 mots quand même sur l'article en une heure. Alors il y a peut-être beaucoup de fautes et beaucoup d'incohérences, mais j'ai quand même fait ça un peu vite et voilà, ça méritera d'un deuxième passage. Bon, ensuite on parlera du Samsung J5. Alors, petite fermée, on s'en fout de ça. Est-ce que je peux enlever la musique ? Voilà. Donc, alors, Samsung nous propose, alors c'est un teaser de Samsung, alors c'est pas de Samsung, c'est smartphone 360, enfin, il y a pas mal de chaînes comme ça qui proposent des concepts par rapport à ce qui est un petit peu en attente. Le téléphone en lui-même, il a pas l'air fou ni dingo. Alors, putain, je suis en train de me rendre compte que mon VPN s'est allumé, c'est pour ça que j'ai pas internet. Bon, la série J, c'est pas la série la plus haut de gamme ni la plus chère de chez Samsung. Donc du coup, ça risque d'être un truc bas de gamme, on le voit, il y a une espèce de pauvre Snapdragon. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est en fait un écran 6 pouces Super AMOLED quand même, tu vois ce que je veux dire. Nous, on l'aura en Thaïlande, donc si vous pouvez pas l'avoir, j'achèterai en Thaïlande, je ferai une vidéo et vous pourrez le gagner. Si jamais ils veulent pas vous l'envoyer à vous. Alors, Infinity Display, un écran Full HD, 16 millions de couleurs. C'est pas mal, en fait, faut voir. Après, bon, les séries J5, c'est pas les séries J, c'est pas les plus chères. Bon, après, il va bien falloir que les fabricants trouvent quelque chose pour vous faire changer de smartphone. Là, on a bien vu les écrans, les machins, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde dit, bon, bah, je garde le mien en attendant qu'il y ait vraiment, vraiment mieux ou alors qu'il tombe en panne. Donc, du coup, la 5G pourrait être la carte de tous les fabricants en disant, oh, mon Dieu, mais ton téléphone n'est pas 5G. Alors, t'as pas d'opérateurs qui font de la 5G encore, hein, t'affoles pas. Un Snapdragon 450, donc tu vois, c'est léger. Mais qui te dit, ah, mais il faut changer, il faut un téléphone 5G. Et tout le monde va dire, mais bien sûr qu'il me faut un téléphone 5G. Donc, les gens renouvelleront leur téléphone en disant qu'il leur faut absolument la 5G, même si pour l'instant, il n'y a pas d'antenne. Mais bon. On ne désespère pas un jour. Voilà. Bon, le téléphone Infinity Display, moi je trouve pas ça oufissime, quoi. Ouais, il y a quand même une barre en haut, une barre en bas. Après, c'est tailladé un peu sur les côtés. Bon, il va être joli, il y aura une bonne caméra. Comme c'est un J5, il ne devrait pas être excessivement cher. Hein. Je pense que c'est d'un truc à 300 balles, tu vois, 200-300 balles. Après, au-dessus de ça, faut quand même pas déconner. Mais bon, voilà, c'est de la 5G. On commence à en parler un petit peu. Les fabricants teasent. Bon, on verra bien si on peut aller jusque là ou pas. Allez, ensuite, alors je vous fais voir juste la vidéo de Aldo Cube X. Les mecs, ils ont peur de rien. Alors, voilà, alors vous avez une meuf, c'est la nouvelle vidéo pour la Aldo Cube X. Alors là, t'as une meuf, elle dit, oh là là. Alors elle joue sur son iPad, sur un présentoir de téléphone en magasin. C'est des trucs en plastique que tu trouves en Chine pour mettre les tablettes dans les magasins. Donc elle a que ça, cette pauvre malheureuse. Donc là, elle joue avec son iPad et puis elle se dit, oh là là, oh, qu'est-ce que c'est lent un iPad. Alors elle fait ah, comme ça, elle dit, ah, oh, mais le iPad, ah, mais c'est trop de la merde, tu vois, genre, tu vois, ouais, mais madame, faut pas regarder en streaming, hein, ah, streaming YouTube depuis la Chine, passer par un VPN, c'est la merde, bon, bah, voilà, donc du coup, elle t'explique, voilà, donc là, on voit bien que ça charge, en fait, c'est pas parce que la tablette, c'est de la merde, c'est que la connexion, elle est pourrie, enfin, bon, ça, c'est un autre dossier, et là, en fait, elle fait la prière, elle dit, oh là là, mon Dieu, si le 11-11, on pouvait avoir un truc incroyable, et là, bien sûr, arrive la Aldo Cube X, j'adore ses pubs. Moi, les mecs, en fait, bon, bah, c'est pas vraiment des pubs, c'est fait par les sociétés et tout. Mais les mecs, ils ont peur de rien, c'est ce que je veux dire. C'est toujours les produits sont toujours mieux que les Apple et carrément 2-3 fois moins cher. Bon, bah, après, le truc qui est bien, c'est que celle-là, elle aura un écran AMOLED 2K. Quand même pas déconner. Donc, ça sera plutôt pas mal. Après, il faut voir encore la qualité du dossier. Alors, on est en lisse. En lisse, oui, comme la fleur. On est en liste pour en avoir une, donc du coup, dès qu'ils en ont en review, on devrait en recevoir une et je vous ferai une review. J'ai vraiment espoir qu'on ait aussi le clavier avec, mais voilà. Donc là, et là, forcément, elle regarde sa vidéo. Et déjà, elle a toujours pas de café, ça a pas rempli le mug de café. Mais alors là, l'écran, mon pote, je peux te dire, ah, t'as vu, ça lag pas là. Là, c'est en temps réel hein, la vidéo qu'elle a téléchargée en amont. Voilà. Donc voilà. Donc la tablette, bon, elle a l'air plutôt jolie. Après, faut voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà, pourquoi pas. C'était simplement. Moi, j'ai trouvé cette pub très très rigolote. Voilà. Non, Samsung Galaxy S, Aldo Cube X5 2K. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler un peu de l'histoire de réparer son iPad en Thaïlande. Alors, c'est pour faire un peu du titre. Mais en fait, parce que c'était l'histoire. En fait, ma copine a un iPad. Alors, c'est entre le 2 et le 3, parce qu'elle était aux États-Unis à cette époque-là. Donc c'était la fin du 2 et avant le 3. Donc il était, bon, maintenant il est un peu obsolète, mais il avait un problème de batterie.
Donc, marchait plus, donc avant au magasin. Et Apple lui a dit non, mais c'est récurrent, il faut changer la batterie. Donc, on va dans un magasin en Thaïlande. Alors, chez Apple, ils veulent plus parce que c'est trop vieux. Mais dans un magasin underground, il nous dit pas de problème. Voilà, ça va vous coûter 1000 bahts, je crois, 25 euros. Le prix d'une batterie, quoi, quasiment. Il nous commande la batterie, il change la batterie. Il nous appelle, il dit ah, mais en fait, il y a le bouton home qui est mort aussi, ça marche plus. Genre ouais, nique-nous bien, profond, bah changez le bouton. Hein. Il change le bouton aussi, nanana. Et venez la chercher. Aujourd'hui on revient, puis on regarde. C'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. C'est vraiment pire que du travail de chinois à Juan Chamé là-bas, underground, dans la petite cave au fond, voilà. Avec plein de colle autour. C'était dégueulasse. Et elle lui dit attends, le travail, c'est dégueulasse. Il me dit oui, mais en fait, on a changé la vitre aussi, parce qu'au démontage, on a pété la vitre. Forcément, et on vous en a mis une autre, mais il n'y a pas de, de surcharge. Alors, on dit, ouais, bof, voilà, bon, bah tant pis. Alors, après, on regarde, mais il y a de la colle partout, c'était dégueulasse. Et en fait, elle regarde l'écran et on voit, ça faisait des petits traits dessus et tout. On dit, non, bah, en plus, nous, on avait un truc d'origine, là, on se trouve avec un écran de merde complet, il y a de la colle partout, c'est dégueulasse. Ah là là, alors, le mec commence à chauffer, il dit, ouais, tous les clients sont difficiles sur vous, comme vous et tout. Elle dit, ah, j'en ai pas difficile, mais on donne un truc qui est tout neuf, alors faut changer la batterie, tu le récupères, il est plein de colle, l'écran il est pourri, tu vois des stries dessous et tout, machin. Bon. On revient dans 2 heures. On retourne. Donc 2 heures après, on va du coup, on va chez des tags chercher mon jouet. On revient et là le mec il vient tout gentil, dit voilà parce qu'en fait, c'est ma fille qui l'a fait. Voilà. Et en fait déjà un, elle l'avait fait comme une grosse sagouine. Elle n'est pas Gwyn, mais grosse sagouine. Et ensuite, elle avait oublié d'enlever le film protecteur à l'intérieur. En fait, il y a 2 films protecteurs pour protéger les vitres. Et celui qui est à l'intérieur, elle avait oublié de l'enlever. Donc du coup, il y avait un espèce de film protecteur qui était encore à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on voyait des stries, c'était le film protecteur. Donc là, il nous fait voir, il est en train de le faire. Il dit voilà, j'enlève le film protecteur, je le mets dessus, je vous mets de la colle. Donc là, c'est lui qui le faisait, il met de la colle proprement, machin. Il met du scotch pour la fermer. Et là, du coup, la tablette, elle est nickel. Mais encore une fois, voilà, il faut être vachement vigilant parce qu'il y a vraiment des sagouins partout, quoi. Et là, le coup de la vitre, machin. Alors c'est pas le LCD, hein, c'est que la vitre tactile. Mais une vitre tactile d'origine Apple ne vaut pas une vitre qu'il aura achetée en Chine qui doit être du A-. C'est de l'origine, machin. Ça va pas à nous. On sait le A, double A, triple A et des trucs de merde en OM pas cher. Là, c'est ce qu'on s'est retrouvé. Mais bon, ça va. Le tactile fonctionne bien. C'est correct. Le LCD est toujours de bonne qualité. Elle est bien réparée. Mais c'est toujours relativement aléatoire de passer par des mecs comme ça où on a vraiment flippé en disant putain, quand t'as vu le travail de merde qu'il a fait ce matin. On s'est dit quand même c'est un peu compliqué. Voilà, s'il y en a qui se demandent, c'est derrière tout comme dans une des petites rues, il y a un gros magasin Apple. Si ça vous intéresse, je vous en mettrai le lien si vous voulez aller le voir. Mais en fait, si c'est lui qui le fait, c'est bien. Si c'est elle qui le fait, elle est mignonne, elle, ça va. Mais elle fait de travail de merde, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Elle vraiment fait. Le bouton home était travers. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends, il y a un bouton home et le bouton était travers. Dis, attends, au moins, quand tu remontes le truc, tu vois bien. Avant de redonner le truc, tu vois bien que le bouton il est travers, quoi. T'essaies de faire un truc pour le remettre. Alors lui, heureusement, il a bien mis le bouton home, il était bien carré, machin, bien haut. L'écran, l'enlevé film protecteur dedans. Enfin, que de la merde, voilà. Donc du coup, attendre un week-end pour avoir du travail comme ça, voilà. Donc on dira ni pas travailler le chinois, ni travailler le thaïlandais, mais voilà, comme partout, il y a des gens qui travaillent bien. Et il y a des meufs qui travaillent super mal, voilà. Et nous, c'était elle, voilà. Alors, réparation iPad, c'est bon. Test du Huawei Y9. Alors, attendez, j'ai pas mis ça. Y9 2019. Donc là, la vidéo, en théorie, je vous fais ça pour tout à l'heure. 5 heures. Je vais commencer le montage aujourd'hui. Vous aurez la vidéo vendredi, sans trop de problèmes, sur GLG Reviews, bien évidemment. Donc là, ça sera plutôt pas mal. Demain, sur GLG Vidéo, du coup, il y aura le test de la mini caméra pocket, machin et tout, qui est plutôt pas mal. Et en fait, je vous ai fait des vidéos dehors, en mode caméra cachée, en mettant dans la poche. Ça fait juste un petit truc qui dépasse, comme ça et tout. C'est pas trop mal, en fait. Ça va, c'est pas trop mal. Après, est-ce que ça vaut 50 balles? Oui, non, elle est quali. Il faut voir, voilà. Après, pas convaincu. Mini caméra pocket. Alors, Jojol Box, hier, grosse vidéo de Jojol. Hier, je pense que beaucoup l'auront vu parce que c'était la vidéo en mode pleureuse où il expliquait qu'il voulait faire une Jojol Box. Donc, il en a vendu apparemment 1000, vu que le panier était à 50 euros, 1000, machin et tout. Et qu'il s'associait avec une compagnie qui était apparemment des baltringues de luxe, que machin. Et le mec, en fait, il a pris l'argent et après, il a déposé le bilan. Donc du coup, l'argent ayant servi à éponger un peu les dettes de la société, et le pauvre Jojo, lui, s'est retrouvé avec plus rien, pas de fichier client, aucune box, pas de thunes, machin, les clients qui ont payé, puis forcément, je veux dire, les membres, quand ils ont payé 30 ou 40 balles, Jojo, ils s'en battent les couilles d'avoir qu'il y ait une société, machin, X ou Y, qui veulent bien compatir, mais ils ont quand même payé 30 ou 40 balles pour avoir une box, et les mecs, ils ont rien, quoi. Donc du coup, voilà, je comprends que le mec, il a du mal dormir pendant un bon petit moment. Donc il explique qu'il a refait une box assez frais. Alors bon, c'est là où c'est un peu ambigu. Bon, on est d'accord qu'il y a 1000,
environ 1000 box à ses frais. Alors à un moment il dit qu'il a des partenaires mais qu'ils pouvaient pas tout payer à leur part. Après je comprends que les partenaires ont fait un effort aussi, donc c'est pas brut de perte. Après 50 000 euros t'imagines, enfin si sa société avait 50 000 euros en cash, félicitations hein. Félicitations mon pote, parce que là je peux te dire c'est que ça marche bien. C'est que ça marche bien YouTube. Après on n'a pas la même on n'a pas la même fée clochette hein, parce que la mienne elle est bidon hein. Rapporte rien. Mais bon, si sa société avait réussi à amasser 50 000 balles pour payer le truc, bravo. Déjà waouh. Putain, ça va quoi, le mec il est pas sur internet depuis 10 ans, tu vois. Ça veut dire que plus le train de vie, plus les machins, donc c'est pas mal. Et après, bon, il y a eu pas mal de partenariats, donc je pense que c'est pas brut de perte. Hein. Il y a quand même. Après qu'il ait eu un peu de sa poche, oui. Mais voilà. Bon, après, c'est les aléas de la vie. Alors, je pense que, comme il l'a dit, la prochaine, il va la faire lui-même. Et je pense qu'il faut vraiment, en fait, tout gérer soi-même. Et de toute façon, à chaque fois, moi le premier, quand on essaie de faire gérer par des autres, ça part toujours en couille, ça se passe jamais bien. Ce qui veut dire exactement la même chose, mais c'est moins vulgaire, on est d'accord. Voilà, donc je vous invite à aller la voir et tout, il explique bien le dossier, mais il y aura donc du coup une prochaine et tout. C'est vrai que ça peut marcher, ça, c'est là, plus de, je sais pas combien, 1000 ou 2000, ouais. Je pense que ouais, 1000, ça doit être bien, 1000 à 50 balles, pas mal. Et enfin, hier on vous parlait en fait Utip. Alors vous pouvez aller sur Utip, bien évidemment, regarder la publicité, parce que ça fait toujours plaisir. Les petites pubs, ça vous coûte rien à vous et moi ça me rapporte voilà, 10 balles par jour, voilà, pour 50 vidéos par mois, je veux dire, ça va quoi, c'est un petit effort qui est sympathique. Donc aujourd'hui normalement, alors nous comme il y a que le décalage horaire et tout, c'est pas encore actif, on aura la possibilité de faire soit des mugs, soit des t-shirts, soit en envoyant notre logo et via leur partenaire on pourra faire, alors je vous demande même pas d'en acheter, le but n'est vraiment pas de là, mais on aimerait bien, s'il y en a qui ont des idées de t-shirts et de mugs, qu'ils n'hésitent pas à nous les dire, et s'il y en a qui ont des compétences dans le graphisme, qu'ils n'hésitent pas à nous proposer des trucs, et dans ce cas on les mettra là-dedans, soit on aura une boutique et personne n'achètera, mais on s'en fout, on aura une boutique, s'il y en a qui veulent acheter, bah ça fera plaisir, mais après vraiment le but c'est pas de vendre, après si on vend tant mieux, mais ce serait de faire une boutique un peu sympa avec des produits genre, hier j'ai balancé accro à l'accro, toi faire un mug accro à l'accro, ça pourrait être rigolo, tu vois ce que je veux dire, donc s'il y en a qui ont des idées ou des compétences graphiques qui nous fassent un petit logo accro à l'accro, machin, tu vois, et qui me les envoie, il y a admin@jtgeek.com, admin, un A avec une queue de marsupilami autour, et jtgeek.com, c'est le nom du site, voilà, qu'ils n'hésitent pas à me faire un mail là-dessus, et puis à me dire, voilà, à me proposer des designs, des idées, machin et tout, même si c'est que du texte, tu vois, après on les fera faire par d'autres, et puis après, c'est quand la boutique sera en ligne, on pourrait faire des t-shirts comme ça, accro à l'accro et tout, ce serait rigolo, et accro à l'accro, ce serait pas mal, à l'accronambourg, tu vois, après, bon, on a, avec les marques, il faut se méfier maintenant, avec l'article 13, voilà, donc du coup, n'hésitez pas à participer là-dessus, à laisser un max de commentaires, ça peut être sympa, intéressant et tout. Et ben voilà, j'ai l'impression que c'est fini, il est 4h40 chez moi, donc du coup, je sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais je sais à quelle heure j'ai fini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie tous d'être passés me voir pour cette petite accrotidienne du 21 novembre, oui en novembre, j'ai cru qu'on était octobre, mais on est bientôt Noël. Dans un mois c'est Noël les mecs, il va falloir vous bouger un peu. Je vous remercie tous d'être passés, je vous souhaite à tous une bonne soirée, comme toujours, on se retrouve demain, alors demain, jeudi, on sera encore en replay parce que c'est la fête, enfin les offrandes à l'eau, machin et tout. On se retrouvera vendredi en live, du coup on décale d'un jour, c'est un peu ça la vie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'ai préparé ma connerie. N'oubliez pas d'aller sur Tipeee sur Utip pour ceux qui auront envie de soutenir un petit peu l'aventure. Pour les autres, vous pouvez fermer votre navigateur. Vous pouvez arrêter, retourner chez vous, faire à manger pour Bonbon. Et ça sera tout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Paix et prospérité. Platane. Poutre en platane. Et que Dieu est béniste. Ou que Dieu vous bénisse. Forcément. Allez, à demain. Bye bye.